Oui, en vous saluant au nom de l'Union, je voudrais simplement insister, comme il y a pas mal de, il y a plusieurs élus qui sont présents là, pour rappeler que lors de nos derniers travaux, nous avons insisté sur la coopération nécessaire entre les amicales et, les collectivités locales. Parce qu'en effet, la situation devient un petit peu difficile parce qu'on a mis sur la charge des élus, on a mis beaucoup de choses en charge des élus sans leur donner tout le temps les moyens nécessaires pour y réussir. Et donc il faut que nous tenions compte parce que nous sommes à la fois, il nous semble que nous sommes à un moment important de la vie locale, que la vie associative est un ciment dans la vie locale, mais elle ne pourrait vivre non plus sans le soutien des élus, par le prêt des salles, par les subventions qui donnent à certaines. Et donc, il faut que nous soyons tout à fait solidaires des élus et les entendre lorsqu'ils poseront les problèmes qui leur arrivent. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. En insistant encore, parce que je suis rédacteur aussi en chef du mensuel Bretagne-Île-de-France, pour vous dire toute l'importance qu'il y a à s'abonner à Bretagne-Île-de-France.